1939. Après trois années quelque peu tumultueuses, le gouverneur Léon Truitard, celui que l'on avait d'abord appelé le gouverneur du Front populaire, mais qui avait ensuite resserré la vis au grand dam des organisations syndicales, a été remplacé par un administrateur en fin de carrière, le gouverneur Joseph Court, qui prend ses fonctions le 28 octobre 1938. Le gouverneur Court trouvera, à son arrivée, une situation sociale plus calme, après une interdiction de tout attroupement public ou privé, qui aura duré presque un an, du 13 avril 1937 à février 1938. À la même époque, arrivent dans l'île deux hauts fonctionnaires dont on aura l'occasion de reparler, le directeur de cabinet Jean-Jacques Pillet et le secrétaire général Antoine Angelini. Chacun à leur manière, ils vont marquer l'histoire de La Réunion. La Réunion qui a accueilli en 1938 son troisième visiteur aérien, le commandant Dagneau, qui pose son avion à Bloc 120 le 9 juillet 1938 sur le champ d'aviation de la Possession. Il emportera à son retour le tout premier courrier par avion de La Réunion. La Réunion qui, en 1939, ne comporte encore qu'un seul et unique lycée qui amène les garçons et quelques rares demoiselles jusqu'au sacro-saint baccalauréat. Sur ce petit monde, turbulent mais discipliné, règne la haute figure d'Hippolyte Fouque, qui cumule les fonctions de proviseur du lycée et de chef du service de l'instruction publique. Le docteur Parny s'en souvient. Hippolyte Fouque était un homme mince, assez grand. Il avait plutôt un air un petit peu sévère, mais je crois malgré tout qu'il était juste. Il était sévère parce qu'il était proviseur, qui fallait quand même imposer une certaine image de marque pour avoir de la discipline, parce qu'on était parfois des galopins. De temps en temps, il fallait nous serrer la vis. C'est-à-dire, on faisait les zèbres un peu. Il y avait le pauvre lacet, notamment, qui était sourd. On avait un surveillant, un pion qui était sourd. Alors, on faisait un chahut du tonnerre. Et parfois, il y avait Boquet qui surgissait derrière, qui nous pinçait. Et puis, on avait des punitions, on avait des consignes le dimanche. Mais enfin, malgré tout, on chahutait, mais on savait s'arrêter. Je crois qu'on n'a jamais été quand même des démolisseurs. Et à cette époque, il y avait un uniforme, il y avait des défilés. Vous avez connu le bataillon du lycée ? Oui, j'ai connu le bataillon, j'en faisais partie. Et il y avait même les joueurs de clairon. Il y avait Jouk, l'un de mes Jouk, qui jouait le clairon, qui a été dans le midi, mais je crois qu'il est mort, Jouk. Oui, oui, j'ai connu le bataillon, on faisait les défilés, et puis on faisait des exercices en semaine, et puis lorsqu'il y avait des grands événements, il y avait le bataillon qui défilait. Oui, j'ai connu ça. Le bataillon du lycée, qui défile tous les jeudis dans les rues de Saint-Denis avec son porte-drapeau et ses joueurs de clairon, est entraîné par M. Antoine Séry, le professeur de gymnastique, dont tous les anciens élèves du lycée ont gardé le meilleur souvenir. C'était un très chic type. Il nous a appris la gymnastique, c'était un type de cœur, il était toujours ardent. Nous ne prenions pas modèle parce que Séry était tout petit de taille, mais d'abord il était athlétique. Oui. Et puis indépendamment de ça, c'était un homme avec qui on avait d'excellentes relations. Tous les enfants l'aimaient Séry. Plus tard dans la vie, quand je retrouvais Séry, il était administratif à l'hôpital, je crois, ou quelque chose comme ça. Mais toute ma vie, j'ai conservé avec lui d'excellentes relations. Le saviez-vous, à part l'éternel football, on joue aussi à cette époque, dans des conditions précaires, il est vrai, au basketball ou au tennis. On organise des compétitions d'athlétisme à la Redoute. On va nager dans l'unique piscine de Saint-Denis, au bas de la rivière, où l'on accède par l'escalier Tiketsu, autrefois appelé escalier 5 centimes. En ce temps-là, le vieil escalier connaît une intense circulation, de jour comme de nuit, entre la messe 4 heures et l'église de la Délivrance et le Grand Marché. En ce temps-là, enfin, défilent également, lors des cérémonies officielles, les jeunes filles de l'Immaculée Conception, strictement encadrées par des règles de conduite un peu vieillottes. Chez nous, c'était pas très moderne en pension, mais enfin, on avait un lavabo avec un robinet. Là, il y avait le bandage. Alors, on faisait la queue pour aller ouvrir l'eau au bandage, pour aller remplir le bandage au robinet. Et puis après, on était installés en deux files. Et puis, à un moment, alors on se lavait les dents, on se lavait la figure. Puis, à un moment donné, la sœur tapait dans ses mains, on se préparait, elle éteignait la lumière. Alors à ce moment-là, on rentrait nos bras dans la chemise de nuit et on s'accroupissait sur le bandage pour faire notre toilette. Alors, écoute, franchement, nous qui arrivions de métropole, on n'en pouvait plus. Si bien que maintenant, moi, je peux m'habiller, me déshabiller devant tout le monde, je sais faire, je ne suis pas indécente. Alors après, on rallumait la lumière et on se nettoyait les pieds et tout.
Donc on trouvait ça complètement... Là, ce n'étaient pas des mauvaises religieuses, elles étaient gentilles et tout, mais elles n'avaient pas évolué depuis des années et des années. Elles ne sortaient pas du tout, du tout, du tout. Tous les enfants de cette époque n'auront pas la chance d'accéder à l'éducation secondaire ou supérieure, par manque de moyens des familles, bien sûr, mais aussi et surtout parce que la mortalité infantile fait des ravages. Et quand je suis arrivé à Saint-Paul, par exemple, en 1941, une de mes premières clientes, je dis toujours ça, je raconte l'anecdote, elle était de la Grande Fontaine. Elle en était sur la 24e grossesse. Il ne restait plus que 3 enfants vivants. Vous voyez un peu le déchet. Les enfants mouraient. Manque d'hygiène. Manque de médecins aussi, je veux dire. C'était trop peu nombreux. Il mourait beaucoup de parasitoses, notamment intestinales. Je parle du 10, ça n'en parle pas. Les gens mouraient comme des mouches, je dirais bien comme des mouches. Je me souviens à Saint-Paul, là aussi je le raconte volontiers, un jeune facteur passe déposer mon courrier à Saint-Paul, ça. À 9h, 9h30, à midi, il était au cimetière, il était mort. De quoi ? Accès pernicieux. Ah oui. Ben, quand on apprend ça, ça vous fait froid dans le dos. Hein. Trop peu de médecins, trop peu d'hôpitaux, trop peu de matériel. La Réunion ne compte à ce moment-là, par exemple, qu'un seul appareil de radiographie, sur lequel veille René de Marne, en plus de ses fonctions à Radio Saint-Denis. Créé en 1937, l'APK se charge pour sa part de l'enfance coupable et abandonnée. Mais mieux vaudrait ne pas l'abandonner pour qu'elle ne devienne pas coupable, écrivent certains journaux. En tout cas, la sous-alimentation et la mauvaise hygiène n'ont pas fini de faire des victimes au sein d'une population qui s'accroît tout de même régulièrement pour atteindre 220 000 réunionnais en 1939. Une population qui, comme vous le constatez, ne sort jamais sans son casque de liège passé au blanc d'Espagne ou son chapeau. À cette époque-là, tout le monde portait chapeau, soit casque, soit feutre, ou chapeau de paille, parce que le soleil déclenchait l'accès de paludisme, la fièvre, l'accès de fièvre. Alors on se couvrait. C'est le contraire maintenant. Les dernières années de l'entre-deux-guerres à La Réunion verront la naissance et la mort d'un grand nombre de journaux. Le Rempart d'Augustin Mondon, le maire de Saint-Pierre, Le Réunionnais de Paul Garrosse, Libération du docteur Vergès ou L'Action syndicale de Gabriel Virapin, qui titre, en cette année 1939, sur l'application des allocations familiales à La Réunion, ce dont se félicite également le journal Servir, qui mène une campagne active en faveur des familles nombreuses. Servir, qui salue la mémoire d'Albert Lougnon, décédé cette année-là, Albert Lougnon, dont le fils Jacques va suivre les traces. Mon père était à bloc contre l'administration. Constamment, il luttait contre l'administration, parce que c'est l'administration qui maintenait la population dans un état lamentable. Vous voyez, en particulier, l'administration n'avait jamais rien voulu faire pour Léo. Alors que depuis avant la guerre de 14, quand mon père était conseiller général, il avait beaucoup lutté au conseil général pour obtenir des créations, des améliorations dans Léo. On lui répondait, mais qu'est-ce que vous faites dans Léo? Vous êtes un noir marron ou un blanc marron? Descendez chez le littoral. Autre fait divers de l'actualité de cette époque, le décès d'Antoine Telmar, l'un des constructeurs de la route de Sillaos. La mort d'Ambroise Vollard, le célèbre marchand de tableaux d'origine réunionnaise. Le terrible drame de la passerelle de Salazie, qui s'effondre le jour même de son inauguration. Côté divertissement, c'est le film français « Sommes-nous défendus » qui tiendra le haut de l'affiche en 1939. On se rassure ou on essaie de se rassurer en voyant défiler sur l'écran les puissantes fortifications de la ligne Maginot. Car la guerre, hélas, va bientôt emplir les pages des journaux de sa cruelle réalité. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne nazie envahit la Pologne. Deux jours plus tard, la France et l'Angleterre déclarent à leur tour la guerre au Troisième Reich. C'est le début de la Seconde Guerre mondiale. À la radio, le gouverneur Court déclare que la France triomphera de la barbarie. Aussitôt connue la déclaration de guerre, on organise à La Réunion la défense passive. On crée un service des échanges commerciaux pour gérer les stocks et lutter contre le marché noir. Et pendant que la métropole entre dans la drôle de guerre, La Réunion va connaître de son côté la drôle de paix. Une drôle de situation pour les raisons suivantes. On a ressenti à La Réunion immédiatement, sur le plan économique, le contre-coup de la guerre, la déclaration de guerre. Et on l'a ressenti surtout pour la raison suivante, la rupture
des communications et qui a empêché les navires de venir livrer ici les marchandises dont avait absolument besoin la Réunion. Antananarivo, comme à Saint-Denis, la mobilisation générale est déclarée et les conscrits affluent vers la caserne Lambert, des conscrits qu'on va essayer d'envoyer au front. Dès la déclaration de guerre, les navires ont été réquisitionnés les navires étaient affectés essentiellement à l'effort de guerre. Et donc, s'il y avait des navires disponibles, vous avez le bon exemple du navire avec lequel sont partis, avec lequel est parti le premier contingent réunionnais. C'est un navire à usage non pas militaire et réquisitionné. Et réquisitionné, vous voyez avec quelle vitesse, quoi. En 8-9 jours, on embarquait dessus des militaires à destination de l'Europe, alors que le navire n'était pas du tout prévu pour ça. Il était prévu pour le transport de marchandises et pas autre chose. En effet, le premier convoi de soldats créoles va partir sur un navire de commerce, le Ville de Tamatave. Le futur maire de Saint-Louis, Valère Clément, était de ce premier voyage. J'étais du premier contingent, n'est-ce pas, qui a gagné la France sur la Ville de Tamatave. C'était un bateau qui était mal préparé, ou disons qu'il n'était pas préparé du tout. Et nous avons eu une traversée très, très difficile jusqu'à Marseille. Il y a eu des morts, d'ailleurs. Il y a eu deux ou trois morts, n'est-ce pas? Et beaucoup de compatriotes aussi, n'est-ce pas, qui ont été débarqués à Tamatave, d'autres à Suez. Et quand nous sommes arrivés à Marseille, nous étions dans un état pitoyable. On rencontrait partout sur les trottoirs de ces pauvres soldats, n'est-ce pas, qui ne pouvaient plus avancer. Et qui ont été récupérés souvent, n'est-ce pas, par ambulance. Au début de 1940, la Réunion pleure ses deux premiers morts au combat, Émile Pahus de l'Entre-deux et Maurice Hibon. En métropole, les députés Gasparin et Brunet et le sénateur Bénard essaient de leur mieux de venir en aide à leurs compatriotes mobilisés. Fin 1939, le gouverneur Court part à la retraite et le 27 février 1940, l'avant-dernier gouverneur de la Réunion débarque sur le pont du Barachois. Il s'appelle Pierre Aubert et sous son autorité, la Réunion, qui voulait tant se battre, va bientôt, comme la France, déposer les armes. En ce début d'année 1940, en tout cas, la métropole, qui se croit bien à l'abri derrière l'invincible ligne Maginot, vit la drôle de guerre. Et la Réunion, quant à elle, tente de survivre, malgré les communications qui se raréfient. La vie continue pourtant. On construit à la petite île Saint-Denis les premières HBM, habitations à bon marché. On essaie de travailler davantage, la semaine de 40 heures ayant été portée à 45 heures dès le 6 septembre 1939. On écoute les discours patriotiques de Radio Saint-Denis, chez soi ou grâce aux puissants haut-parleurs installés sur la place du Barachois. On assiste aux deux dernières exécutions publiques, toujours sur la place du Barachois, et, incontestable progrès, on découvre les premiers autorails diesel que le CPR met en service en février 1940. Bref, la vie continue. Mais là-bas, en Europe, le drame se précipite soudain. Le 10 mai 1940, les armées allemandes lancent une gigantesque offensive contre la Belgique, la Hollande et la France. L'Italie en profite alors pour déclarer la guerre. L'avancée de la Wehrmacht est foudroyante. La voici bientôt aux portes de Paris. Le gouvernement français, où un certain De Gaulle est sous-secrétaire d'État à la guerre, s'enfuit, à Tours d'abord, à Bordeaux ensuite. À La Réunion, on découvre par les titres des journaux toute l'immensité du désastre. Et puis tout d'un coup, on a su que les Allemands débordaient de l'autre côté et que notre fameuse ligne Maginot ne servait à rien. Et là-dessus, alors on ne peut pas imaginer à notre époque, on était pendu à la TSF, au milieu des crachotements du poste, pour essayer de comprendre ce qui se passait. Alors, notre armée faisait la poche. On a fait la poche jusqu'à Bordeaux. Alors, je me souviens d'une vieille religieuse à l'Immaculée qui disait « C'est la bouteille à l'antre, c'est la bouteille ». Même les élèves, les grandes élèves, avaient le droit de venir écouter les informations tellement c'était grave. On était dans un état épouvantable. Et puis, on a appris qu'il n'y avait plus de gouvernement. Il n'y avait plus rien. La France était complètement perdue. Et puis un jour, on nous a dit, le maréchal Pétain a accepté de devenir chef de l'État, de prendre en charge. Oh, quel soupir de soulagement on a poussé!
et que toute la France a poussé en même temps que nous. Alors, bon, on a été pétainiste, automatiquement on a été pétainiste. Et puis après, au fur et à mesure, on a appris qu'un certain De Gaulle, mon Dieu De Gaulle, mais qu'est-ce qu'il fait, il ne veut pas obéir, dans l'état où est la France, est-ce que ça ne va pas encore nous emmener des troubles et des... Et puis après, on savait les nouvelles qu'on pouvait. Parce que là, il y a quelques-uns avaient des postes pour écouter Maurice, qui était plus au courant, nous on savait pas, on n'entendait absolument pas, on ne savait pas du tout ce qui se passait. L'appel du 18 juin, on n'a jamais su, on l'a su bien après. Le 17 juin, pendant que les Allemands paradent dans Paris, la voix du vainqueur de Verdun s'adresse à la France. Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Le lendemain, 18 juin, un général presque inconnu parle à son tour à la BBC de Londres. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici en Angleterre, cette tâche nationale. Les journaux réunionnais parleront pendant quelque temps du comité des Français libres et de leur chef, ce jeune général de 50 ans qui, seul ou presque, se dresse contre le prestigieux maréchal. Mais quelque temps seulement, car très vite, la Réunion va se ranger sous la bannière de Vichy. Le 29 juin 1940, le gouverneur Aubert réunit les principaux notables de l'île et en quelques heures, la Réunion va à son tour, déposer moralement les armes. Et j'ai l'impression, en lisant le procès-verbal de cette fameuse journée, que c'est une intervention de M. Redley, qui était trésorier-payeur général, et qui a permis au gouverneur Aubert de saisir une perche qui lui était tendue, et puis de réorienter les débats. Hein. Monsieur Redley a répondu à une des questions du gouverneur Robert qui consiste à savoir est-ce que le régime de Vichy est légal ou pas. Monsieur Redley a répondu au gouverneur Robert que finalement on n'en savait rien. On n'avait pas assez d'informations pour pouvoir juger, mais ce qu'on savait, c'est que Monsieur Aubert était lui le représentant de l'État et ici à La Réunion. Donc Monsieur Aubert, lui, pas de problème, on est prêt à le suivre. En vous donnant pas textuellement, mais l'idée elle-même. Hein. Et c'est à partir de ce moment-là que il n'y avait plus de discussion possible. Hein. Et Monseigneur de Langavant a dit à La Réunion, on ne désobéit pas au gouverneur. Exactement, hein, c'est exactement ça, hein, la situation. À partir du moment où le gouverneur a tranché, ben, on se range derrière lui. Hein. Il y a eu évidemment hein, de nombreuses critiques de salon, mais il n'y a eu aucune déclaration officielle, aucune contredisant. Le chemin que voulait faire prendre à La Réunion le gouverneur Aubert. Tous les notables présents à cette réunion, et plus particulièrement Raoul Nativelle, Adrien Lagourgue, Anatole Hugo, Victor Le Vigoureux, Frédéric Payette et autres Raymond Vergès, ont exprimé leur désir de poursuivre le combat, mais également leur totale confiance envers le gouverneur Aubert, qui lui a décidé de suivre le gouvernement légalement investi. Seule fausse note, les appels à poursuivre le combat du secrétaire général Angelini et du capitaine Plat qui sont tous les deux rapidement mutés à Madagascar, au moment où La Réunion, désemparée, isolée, se range résolument derrière le maréchal. Ça tient essentiellement à la personne de M. Aubert, et qui est un gouverneur, le gouverneur type Troisième République, et, c'est-à-dire un homme, un juriste, et formé à l'école coloniale, et imbu d'autorité, de légalisme et d'ordre. Et alors, au nom au nom de l'ordre et au nom du légalisme, il s'est rallié d'abord lui-même au maréchal Pétain et il a réussi à entraîner derrière lui la Réunion générale. Hein. Quelques très rares réunionnais réussiront cependant à aller se battre, tel Maurice Samatt qui quitte clandestinement La Réunion le 28 octobre pour se rendre à Maurice. Le 23 novembre, il est déchu de sa nationalité française, tout comme d'autres personnalités qui connaissent le même sort. À La Réunion, le radioamateur Vinsan écoute pour sa part toutes les radios qu'il peut capter.
Il aurait ainsi été le seul à entendre l'appel du 18 juin. Je revois mon père toujours dans un fauteuil, les écouteurs sur les oreilles, sa table de manipulateur sur un fauteuil. Je sais qu'à un certain moment, il s'est levé et il a crié « enfin ». Mais j'étais relativement jeune et je ne savais pas de quoi il s'agissait. Ensuite, il m'a appelé, c'était moi qui étais chargé d'aller régler le poste avec le haut-parleur extérieur qu'il avait sur son balcon à la rue, à la rue de la Bois-Donnée, régler la radio sur les émissions de Brazzaville le soir 20h. Alors, il a eu confirmation de cet appel à Brazzaville. La radio de Brazzaville a retransmis l'appel. Le 10 juillet 1940, comme la plupart de leurs collègues, les députés Gasparin et Brunet et le sénateur Bénard votent la confiance au maréchal Pétain. Et les journaux locaux se demandent à quoi ressemblera le nouvel État français. Très vite, on comprend que la démocratie a vécu. Le Conseil général est ainsi suspendu et remplacé par une commission administrative de 7 membres, nommée par le gouverneur. Début 1941, les conseils municipaux sont à leur tour dissous et remplacés par des personnes directement nommées par Robert, qui raconte en riant qu'il est le seul électeur de La Réunion. Armand Barrault remplace ainsi Raoul Ouarraud à Saint-Denis, mais la plupart des maires sortants resteront en place, tels Raymond Vergès à Salazie. Le consensus pétainiste semble donc régner. Comme en France, il y a eu beaucoup de pétainistes à La Réunion. La Réunion était une grosse majorité pétainiste, hein. Parce que Pétain, c'était le mythe du papa, du père. Et La Réunion, les réunionnais sont assez sensibles à ça. Alors, tous pétainistes à La Réunion en 1940, un demi-siècle plus tard, certains n'en sont toujours pas convaincus. Quand on dit grosse majorité, superficiellement, parce que celui qui n'était pas pour Pétain, il était tracassé, même il était licencié. Il fallait faire une déclaration, sur l'honneur, comme quoi qu'on était pour le gouvernement, on va respecter. Dans les administrations, au CPR, dans les collectivités, dans les mairies, partout on faisait cette déclaration, on était pour Pétain. Officiellement, on était pour Pétain. Mais Pétain, il n'avait pas de majorité. C'était une majorité forcée. Les problèmes politiques tranchés restent la vie économique. Le ravitaillement de l'île devient de plus en plus incertain, au fur et à mesure de la disparition des liaisons maritimes. On commence à arracher les cannes pour planter du maïs. Dès 1939, des primes avaient été accordées aux planteurs de manioc. Il n'y a plus non plus de bateaux pour exporter le sucre, alors on l'entasse dans les endroits les plus divers. Quant aux soldats créoles, mobilisés en 1939, certains d'entre eux reviennent à La Réunion dans des conditions parfois rocambolesques. Quand nous sommes arrivés de métropole, n'est-ce pas, quand nous avons été débarqués à Saint-Denis après notre séjour en France pendant la guerre, eh bien, notre première soirée, on l'a passée en prison. Ah bon? C'est un... Il y avait là-dedans... Jacques Isotier, moi de la Croix et puis quelques autres copains, nous avions pensé que ça allait être quelque chose de... le système de démobilisation, n'est-ce pas, allait être très lent, parce que nous étions quand même au 400 ou même peut-être davantage. Et malheureusement, ça s'est allé beaucoup plus vite. Et quand nous sommes arrivés, tout était terminé. Alors on nous a donné une petite place en prison pour la nuit, ce qui fait qu'on a plutôt rigolé, n'est-ce pas, de notre aventure. Et puis ça a été comme ça, on a repris ensuite la vie civile. En décembre 1940, arrive Raymond de Cugis, le nouveau directeur du chemin de fer. L'une de ses premières décisions sera de limiter les déplacements de l'autorail, faute de carburant. Quant au nouveau statut des Juifs, il sera promulgué en octobre 1940 dans l'indifférence générale. Travail, famille, patrie sont désormais les mots d'ordre aux accents de l'hymne du nouveau régime. Maréchal, nous voilà, devant toi le sauveur de la France. Nous jurons, nous... Pendant que l'Europe gémit sous la botte de l'occupant nazi, La Réunion, lointaine, isolée, abandonnée, essaie de survivre. Sous la ferme direction du gouverneur Aubert, qui dirige sans état d'âme la petite colonie vers les lendemains qui chantent de la Révolution nationale. Lentement, les organismes de Vichy se mettent en place. Les conseillers généraux Rieul Dupuis et Roger Payette sont ainsi nommés président et vice-président de la Légion des combattants, qui regroupera environ 1500 membres. Le maire désigné de Saint-Denis, Armand Barrault,
est quant à lui le président du comité de propagande Pétain, qui est chargé de répandre les idées du nouveau régime. Travail, patrie, discipline et surtout soumission respectueuse au chef vénéré. Un homme symbolisera cette période trouble de l'histoire de la Réunion, le directeur de cabinet Jean-Jacques Pillet, qui est chargé, entre autres tâches, de la censure des journaux. Et il aimait, entre autres, vu les nuits qui passaient là-dessus, cisailler les articles de journaux, hein, parce qu'il s'en occupait personnellement. Hein, il n'était pas là présent tous les soirs au moment des opérations de censure du bureau de propagande, mais la plupart du temps, il était présent. Hein, et entre 9h du soir et 1h du matin, on contrôlait, on vérifiait, on cisaillait, on retaillait. Donc lui a par contre laissé un mauvais souvenir, hein, en général, à La Réunion. Hein. Jean-Jacques Pillet, non content d'être le patron du bureau de la censure et de la propagande, est également le chef de la garde du maréchal, un autre organisme créé par Vichy. Il signe d'autre part des chroniques régulières dans un journal lancé en 1940, Chantecler, chronique où il pourfend tour à tour la BBC, les Juifs, les anglophiles et autres gaullistes de salon. Ces articles seront rassemblés en 1942 dans un petit livre, Entre nous, aujourd'hui devenu rarissime. Dévoué corps et âme au nouveau régime, d'un caractère dictatorial et emporté, Jean-Jacques Pillet concentre sur lui la rancœur des Réunionnais, de ceux en tout cas qui ont décidé de suivre celui que la presse appelle l'ex-général de Gaulle. Car il y avait des gaullistes à La Réunion, même si aucun d'entre eux n'alla jusqu'à prendre le maquis. Les actes de résistance, il y a dû en avoir. Il y a dû en avoir, donc ce qui prouve bien, et on le retrouve d'ailleurs même dans la presse officielle de l'époque, Chantecler ou Servir, le tout c'est de savoir lire cette presse. Il y a dû en avoir, mais cette résistance est venue, me semble-t-il, de quelques personnes, fortes personnalités elles aussi, et de personnes agissant isolément. Et il n'y avait pas un programme de résistance, une cohésion, à ma connaissance, non. Hein. Il n'y a pas eu non plus à La Réunion, du moins nous n'avons pas trouvé trace, de presse clandestine. Alors qu'il y en a eu à d'autres époques. Et en fin du 19e siècle, on a eu à certains moments des presses clandestines, des journaux clandestins qui circulaient à La Réunion. Hein. Entre 40 et 42, pas trace de presse clandestine. Beaucoup de Réunionnais résistent tout de même à leur façon, en écoutant notamment les émissions de Radio Maurice, qui retransmet la BBC. Écouter les radios dites étrangères est en principe interdit. Le prince Vinsan, qui dispose d'un émetteur-récepteur, est très surveillé et il sera même interné à l'hôpital Félix Guyon du 7 mai au 19 juin 1942. Gendarmerie et police ne perdent également pas de vue les anciens francs-maçons de la loge L'Amitié, suite à la circulaire de Vichy sur les sociétés secrètes. Dans l'application qui a été faite à La Réunion, on a inquiété ici uniquement des francs-maçons de l'enseignement. Aubert avait envoyé plusieurs câblogrammes à Vichy demandant des précisions à la suite de cette circulaire et on est tombé là aux archives sur une réponse de Vichy, une réponse disant qu'il fallait stopper les activités des maçons de la magistrature et de l'enseignement, pas des autres services. Hein. Et à La Réunion, il semble qu'on ait inquiété uniquement des maçons de l'instruction publique, hein, de l'enseignement. Et c'est ainsi que le directeur de l'école des garçons de Brapanon, Antoine Narasiguin, est révoqué le 31 décembre 1941, que Simon Lucas, Alexandre Dupuis et André Waro sont démissionnés et mis à la retraite en février 1942, que l'ingénieur Mondin est muté à Madagascar, que le maire de Salazie, Raymond Vergès, est démissionné et remplacé par Maurice Payette en avril 1942. D'autres maires seront également remplacés pour diverses raisons durant cette période. Augustin Mondon par Jules Redley à Saint-Pierre, Antonin Folliot par Alfred Isotier à la Petite-Île, Henri Morange qui devient maire de Saint-André à la mort du docteur Martin et qui est remplacé par Lucien Ouzou à Brapanon, ou Léon Coaquette qui devient maire du Port à la mort du docteur Manès. Le docteur Manès, dont la femme, Lucie, gaulliste fervente, ça ne s'invente pas, se retrouvera devant le tribunal correctionnel pour avoir, à l'appel de Radio Maurice, déposé une fleur au monument aux morts de Saint-Denis le 11 novembre 1942. Madame Manès et ses amis seront condamnés à une amende. Autre épisode tragicomique de cette période,
l'affaire de l'espion anglais arrêté à Saint-Gilles en mars 1942 alors qu'il essayait de regagner Maurice après une mission de renseignement passablement ratée. On arrêtera également ses complices réunionnais, Ignace et Michael de Villèle, Charles-Olivier Manès et Silvio Fanucci. Cet anglais, Peter Simpson-Jones, sera condamné par la cour martiale de Tananarive à 5 ans de prison, qu'il ne fera d'ailleurs pas, Madagascar passant sous le contrôle de la France libre quelques semaines plus tard. À cette époque, en tout cas, il suffisait d'un simple cri lancé dans la foule pour que la loi déclenche ses foudres. À cette époque, c'était au délice colonial qu'on s'était réunis. On avait fait un petit repas, soi-disant briser la vie de garçon, comme c'était plutôt pour rigoler. Eh bien, il y a eu quelques cris « Vive de Gaulle ». Vous voyez ? Alors, de ce fait, il y a quelqu'un qui s'est plaint. Nous, on connaît qui, enfin, encore une fois, on ne peut pas le dire le nom. Et ça a été tout de suite De Péchy qui s'est mis en œuvre. Alors, nous étions en lune de miel à la plaine des Palmistes. Nous étions là depuis quoi, une ou deux jours. Eh bien, on nous a invités, n'est-ce pas, là-dedans, à venir à Saint-Denis au commissariat. Alors, on s'est présenté à De Péchy. Il a essayé de savoir qui avait prononcé, n'est-ce pas, le mot de Gaulle, n'est-ce pas, ou crié Vive de Gaulle. Pendant que le futur député de La Réunion se fait sermonner par le commissaire de Péchy, les cérémonies patriotiques se multiplient. On fête désormais officiellement le 1er mai, jour de concorde sociale, férié et chômé. On commémore Jeanne d'Arc. On lance la fête des mères. On inaugure un peu partout des places et des rues Maréchal Pétain. Inaugurations qui sont l'occasion d'ailleurs de vibrants discours à la gloire du maréchal. Car la révolution nationale de Vichy restera essentiellement vécue à La Réunion comme une œuvre française. Seul le journal Servir de René Payette, grand admirateur de Pierre Laval, lancera des appels explicites à la collaboration avec l'Allemagne pour sauver l'Occident chrétien du communisme. Cela étant dit, la grande majorité des Réunionnais ne s'intéresse alors que de très loin à la politique, le souci numéro un restant l'alimentation. En septembre 1941, la situation devient vraiment très difficile et un arrêté préconise l'arrachage de la moitié des cannes pour les remplacer par des cultures vivrières, maïs, manioc et autres légumes. Car les communications sont coupées avec l'Europe et La Réunion ne reçoit pratiquement plus rien de l'extérieur. Alors on se débrouille avec les moyens du bord, on met de la farine de tapioca dans le pain, on interdit de donner du maïs aux animaux, car même le riz vient à manquer. On a mangé d'abord du riz mangalo. Quand on était à la pension et que la religieuse apportait le riz, on manquait étouffé avec l'odeur du riz mangalo. Et puis après, il n'y a plus de riz du tout. Alors on mangeait du manioc, on mangeait du cambard, on mangeait des... Moi, j'ai jamais eu faim. Hein. Je ne pense pas que les gens aient eu faim. Seulement, il fallait chercher à manger. Ça ne se trouvait pas comme ça. Alors, les parents faisaient des haricots, par exemple, à Salazy. Quand on donnait des kilos de haricots en cadeau, c'était une fête pour celui qui recevait les haricots. Mais enfin, on mangeait. Par contre, on n'a pas mangé de bœuf. Par exemple, une année entière, on n'a pas eu de bœuf du tout, du tout, du tout. Le 16 septembre 1941, on crée la carte d'alimentation pour essayer de gérer les stocks et lutter contre le marché noir. Mais il n'y a vraiment plus rien dans les magasins. Et les gens en France, certainement, n'ont pas compris l'état de dénuement dans lequel on se trouvait à La Réunion. Parce qu'on était privés de tout. Vous savez, la ration de corps gras pour un mois était une cuillerée à soupe de graisse. Le 12 février 1942, le saindoux, les huiles, le savon et le café sont placés sous le régime de la carte d'alimentation. Petit à petit, les rations mensuelles vont se réduire et le système des tickets de rationnement restera en vigueur bien après la fin de la guerre. C'est le temps du système D, de la débrouillardise, de la misère. Ben oui, il y avait de la misère. Misère parce que ben, on se débrouillait, on mangeait du maïs moulu. Parce qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de minoteries un peu partout, dans le sud, comme dans l'ouest, comme dans l'est, des minoteries partout. Il y en avait à Saint-Louis, il y en avait à Saint-Pierre, il y en avait à Saint-André, à Sainte-Marie. Et on mangeait du maïs. Quand il n'y avait pas de maïs,
manger du manioc. Il y avait une transformation du manioc qu'on appelait le couac. Hein, le couac. Et on mangeait ça. Seulement 5 bateaux aborderont l'île en 1942, contre plus d'une centaine habituellement. On ne trouve plus ni essence, ni pétrole, ni sel, ni papier, ni médicaments. On s'habille avec des gonies ou du rabanne. Et on tente de planter du ricin et surtout de la pistache, comme le préconise le maire de Sainte-Suzanne, René Payette. Il a distribué des ce que nous appelons nous, des pistaches partout pour planter, parce qu'il a fait de l'huile à l'usine du Butor, il a fait de l'huile et toute la Réunion était nourrie avec son huile de pistache. Alors après, il distribue gratuitement des pistaches aux gens pour planter. Puis il revient quelques temps après pour savoir, alors mon enfant, ça a poussé et tout. Hein, ben non. Ben, qu'est-ce que vous l'avez fait avec les pistaches? Ben nous l'a manipulé. Ils avaient mangé les pistaches. Papa était dans tous ses états. Malgré toutes ces privations, la vie s'obstine à continuer. On assiste à des matchs de football entre les joueurs locaux et les équipages des rares bateaux qui abordent la Réunion. On applaudit la pièce de Marcel Pagnol, Marius, que des acteurs pays jouent au théâtre de Saint-Denis en 1941. On continue enfin à monter prendre des bains au terme de Sillaos. La femme de M. Jean-Jacques Pillet y retrouvera la santé. Madame Pillet était très malade. Elle était infirme. Elle passait la chaîne civière. Elle prenait son bain tous les jours. Et quand elle a quitté les bains, elle était bien et elle dansait après. Elle était complètement guérie de sa polynévrite. Elle avait une polynévrite. Ainsi va la Réunion, sous le régime de Vichy. Misérable, isolée, repliée sur elle-même, elle ne peut que scruter l'horizon, en espérant voir un jour le bout du tunnel. Ce tunnel obscur, où brille pourtant une petite lueur d'espoir, depuis le débarquement, le 5 mai 1942, de 20 000 soldats anglais dans la baie de Diego Suarez. Car comme la Réunion, la Grande Île, sous les ordres du gouverneur général Annet, est restée fidèle à Pétain et au gouvernement de Vichy. Madagascar est beaucoup mieux défendue que la Réunion, et les combats, auxquels participent de jeunes créoles, sont violents. Dans la colonie, où l'on fête le tricentenaire de la possession française, la presse flétrit ce qu'elle appelle l'odieuse agression, et le directeur de cabinet Jean-Jacques Pillet se déchaîne contre la perfide Albion. D'autres réunionnais, par contre, espèrent ardemment une libération de l'île et un débarquement anglais. Pendant que les combats continuent à Madagascar, le gouverneur Aubert organise les maigres défenses réunionnaises. On bouche l'entrée du port en y coulant une drague. Et, dès le 8 mai 1942, on lance des exercices d'évacuation de Saint-Denis. Il n'y avait pas de poste de TSF, il y avait un grand pylône qui donnait l'heure à midi. Alors tout à chaque midi, ça allait donner un coup de sifflet long, assez long, et on prenait l'heure. Deux ou trois fois pendant l'année 42, ce coup de sifflet-là était donné à des heures, pas midi, après-midi, ou le matin ou après-midi. Alors on se demandait pourquoi. Les gens s'inquiétaient. On a su le jour même, que la population de Saint-Denis devait quitter la capitale, se réfugier dans les rampes du Brûlé, dans les rampes de Saint-François, de l'autre côté, là-bas de la Bretagne, loin de la mer, loin du centre, parce que les Anglais devaient débarquer. Parce qu'on s'attendait, Massé, Salahin, Aubert, Pillet s'attendaient, et beaucoup de gros de Saint-Denis s'attendaient à un débarquement anglais. Ben, alors, on est tous années déménagés. Les gens portaient leurs oreillers sur la tête, les enfants dans les bras, les charrettes, les guerres de voitures à cette époque-là. Ben, on s'en allait. Moi-même, je suis parti en deux fois dans les rampes de Saint-François. J'évadais aussi nécessairement, puisqu'il fallait faire en riant, bien entendu, parce que je savais bien qu'il n'y aurait pas de débarquement anglais, hein ? 27 novembre 1942, 11h du soir. Un bateau venant de Maurice s'immobilise en face du cimetière de l'Est à Saint-Denis. 5 hommes, dont le capitaine Hector Patureau, représentant le général de Gaulle à Maurice, vont d'abord être envoyés en mission de reconnaissance dans les rues du chef-lieu. Entre 4h et 4h30 du matin,
un commando de 74 fusiliers marins, commandé par le lieutenant Moreau et le commandant Baraquin, débarque à son tour au pont du Barachois et se dirige vers le gouvernement. Personne. Si, là, au rez-de-chaussée, une lumière, un homme seul, le lieutenant Sanglier. Je lui dis, écoutez, nous sommes deux ici à Saint-Denis. Moi, je suis militaire, mais il y a un civil aussi. Et ce civil-là, c'est le secrétaire général qui est resté ici en poste. Et je voudrais bien que nous allions, vous et moi, le voir, parce qu'il ne s'agit pas de faire des choses excessives, excitées. Les choses se régleront d'elles-mêmes. Alors il me dit, mais vous parlez sur un drôle de ton. Je dis, je vous dis ça parce que c'est vrai. Vous allez voir que tout s'arrangera tout seul. Et je suis donc, lui dit, écoutez, je vais passer un coup de fil, sachez à qui je téléphone, c'est à ce monsieur-là. Alors j'ai téléphoné et M. Rivière m'a dit, quoi, ils sont là, la méridionale. Il me dit, bien, maître Sanglier, attendez un instant que je mette au moins un vêtement sur moi, je suis en pyjama. Je lui dis, dans un quart d'heure, je viens. Alors, nous sommes sortis du gouvernement et j'ai dit au commandant Baraquin, j'ai dit, écoutez, il y a une voiture là, peut-être pouvez-vous la réquisitionner. Ben, il me dit, je la réquisitionne. Mais je lui dis, c'est très bien puisqu'elle m'appartient. Alors, il m'a dit, mais vous parlez sur un drôle de ton. Je lui ai dit, vous savez, ne vous tracassez pas pour la réunion. Alors nous sommes rentrés dans ma voiture, je suis allé voir M. Rivière, et je lui ai dit, M. Rivière, voilà ce qui se passe. Alors je pense qu'il serait bon, qu'il vaudrait mieux que vous vous mettiez en rapport avec Elbourg, et que nous sachions à quoi nous en tenir. Il ne reste plus en effet grand monde à Saint-Denis, excepté le secrétaire général Jean Rivière, au centre sur cette photo. Le gouverneur Aubert et le commandant d'armes Artignan se sont prudemment repliés à Elbourg depuis la fin du mois de septembre. Et c'est dans un Saint-Denis seulement gardé par une poignée de soldats que les hommes du commandant Baraquin vont se déployer et se rendre maîtres des points stratégiques, banque de la Réunion ou immeuble de la TSF. Quelques coups de feu sans gravité seront tout de même échangés aux abords de l'hôtel du gouvernement. Un peu après 5 heures du matin, une salve d'avertissement est également tirée du bateau qui n'a pas reçu de nouvelles du commando. Le jour se lève, la prise de Saint-Denis s'achève. Et c'est, vous savez, c'est quand le léopard a tiré la salve de semence que Saint-Denis s'est réveillé. En quelques instants, le Barachois se couvre de curieux. Furent-ils plusieurs milliers ou seulement une petite centaine? Les versions diffèrent. Ce qui est certain, en revanche, c'est que tous n'ont Dieu que pour le bateau ancré en rade de Saint-Denis. Le contre-torpilleur Léopard, d'où débarque, un peu après 6 heures du matin, l'administrateur chef des colonies, André Capagori. Mais si à Saint-Denis, qui avait été de toute façon déclarée ville ouverte, les choses se passent presque tranquillement, au port, par contre, le lieutenant Émile Hugo, qui commande la batterie de défense côtière, installée près du phare, n'entend pas se rendre sans combattre, d'autant que tout le monde est persuadé qu'il s'agit d'un débarquement de soldats anglais. Pour ne rien arranger, dockers et cheminots du CPR, sous la direction de Léon de Lepervenche, ont investi la ville et fait prisonnier le maire, Léon Coaquette. Le lieutenant Hugo et ses hommes sont coincés entre une ville en ébullition et le Léopard qui s'avance lentement. À 3 heures de l'après-midi, ce 28 novembre, le directeur des travaux publics, Raymond de Cugis, part en voiture avec le lieutenant Moreau par la route de la montagne pour essayer d'aller convaincre Émile Hugo de cesser le feu. Mais au 15e kilomètre... Il est arrivé là, alors il voit une charrette qui barrait la route. Alors, il n'y a personne. Non, personne ne me répond. Alors, ils descendent de leur auto, et puis ils se mettent à pousser la charrette. Et ils mettent la charrette de côté, même tourner, pour laisser le passage. Et alors, à ce moment-là, au moment où ils tournent vers leur auto, prend un coup de fusil. Alors, le lieutenant, lui, connaissait un petit peu ses carrières, s'est précipité dans le fossé. Tandis que le monsieur de Cugis dit, oh, ce sont des créoles, ils ne savent pas tirer. Là, il y a un deuxième coup de fusil, il a eu en plein. Raymond de Cugis a été tué sur le coup par une sentinelle qui visait en fait l'uniforme du lieutenant Moreau. Une petite stèle rappelle, aujourd'hui encore, cet épisode tragique. Pendant ce temps-là, au port, le Léopard commence à tirer sur le secteur de la batterie.
deux femmes seront tuées par des éclats d'obus. Un peu plus tard, un échange de tirs entre les hommes de la batterie et les insurgés du port fera une nouvelle victime, Maurice Audon. Et le lieutenant Hugo sera gravement blessé au bras gauche avant d'être fait prisonnier vers 18h. À Elbourg, dans la villa du gouverneur, on se doute déjà que toute résistance sera vaine. Mais on cherche tout de même à sauver la face. Comme l'écrira le mémorial, le gouverneur Aubert croit tenir toute la Réunion sauf Saint-Denis, et le gouverneur Capagori croit tenir lui aussi toute la Réunion sauf Salazie. Salazie, solidement gardée par une centaine d'hommes, et où la route a été détruite aux alentours du pont de l'Escalier. L'échange des premiers messages de négociation n'ayant rien donné, le gouverneur Capagori demande alors à l'évêque de la Réunion de se rendre auprès du gouverneur Aubert pour négocier sa reddition. Alors, j'ai dit la messe. Après la messe, j'ai eu une réunion au conseil de guerre, à laquelle on m'a fait assister. Et puis alors, ils m'ont recommandé surtout, surtout ne dites pas toutes les précautions que nous avons prises, tous les abris de mitrailleuses que vous avez vus, ne révélez pas leur emplacement. Il n'y avait aucun emplacement de mitrailleuse, il n'y avait absolument rien. Absolument rien. Mais c'était la guerre des nerfs. D'ailleurs, il y avait une ligne téléphonique qui restait occasionnellement entre Elbourg et Saint-Denis, et le gouverneur de Elbourg téléphonait au gouverneur de Saint-Denis. Alors le gouverneur Capagori qui était à Saint-Denis, mais je vous donne 48 heures pour, 24 heures pour vous rendre, alors il me dit, ben, vous me donnez ça par téléphone, vous me donnez par écrit, je ne peux pas recevoir ça. Alors, pour gagner du temps. C'est ce matin-là, du dimanche 29 novembre, qu'un premier ultimatum est adressé à Elbourg par le patron du Léopard, le commandant Jacques Evenou, dit Richard, qui menace Aubert de détruire certaines usines sucrières appartenant à des propriétaires partisans du régime de Vichy. Le gouverneur se cabre. Pas question de céder à ces conditions. Et Monseigneur de Langavant redescend bredouille à Saint-Denis. Et là, de nouveau conseil de guerre, alors à bord du Léopard. Alors comme ça, il peut aller sur le Léopard. Alors le conseil de guerre, alors là, commandant Barraquin, et puis il y a un autre. Commandant Richard. Richard. Alors Richard, il fait oui, vous vous dépêchez, nous n'aurons pas le temps d'attendre parce que nous risquerons toujours, nous sommes ici sur une rade ouverte, et alors, nous pouvons avoir un sous-marin allemand qui arrive, nous ne pourrons pas attendre, il faut que nous rentrions immédiatement. Les politesses diplomatiques font en effet bouillir d'impatience le commandant Richard, qui aimerait en terminer rapidement. Et il faudra finalement une ultime négociation menée au téléphone dans la nuit par messieurs Rieul Dupuis et Henri Poulet pour que le gouverneur Aubert consente à se rendre. Il exigera pour la forme un nouvel ultimatum et cessera toute résistance au matin du 30 novembre. Les notables dionysiens seront alors conviés à une très officielle cérémonie de passation de pouvoir. Alors on arrive dans le salon de la préfecture, il y avait là le gouverneur Aubert et le gouverneur Capagori assis tous les deux au canapé. Bonjour, bonjour, etc. C'est très bien. La libération de la Réunion aura finalement coûté 4 vies humaines. Et certaines personnalités du régime précédent en seront quittes avec quelques coups de pied dans l'arrière-train. Pour le nouveau gouverneur en tout cas, les problèmes ne font que commencer. Jeudi 3 décembre 1942. Le gouverneur Pierre Aubert quitte la Réunion à bord du Léopard et avec les honneurs militaires. Il séjournera quelques mois au réduit, la résidence du gouverneur de Maurice, avant d'être jugé à Alger, un procès dont il obtiendra d'ailleurs la révision en 1946. Quant à Jean-Jacques Pillet, il avait été embarqué beaucoup plus discrètement la veille au port. Deux jours auparavant, le général de Gaulle avait officiellement désigné au poste de gouverneur de la Réunion l'administrateur chef des colonies André Capagori, un homme dont il connaissait les qualités. Des qualités de chef, de meneur d'hommes, d'entraîneur, et à la limite je dirais même de baroudeur. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup remué avant de venir à la Réunion ici en Afrique et en Haute-Volta, au Congo, qui a réussi d'ailleurs à rallier pour le compte de la France libre le moyen Congo, sans verser une goutte de sang, et qui a fait preuve des mêmes qualités à la Réunion, hein, dans des circonstances difficiles, vraiment difficiles sur le plan économique. André Capagori sera le 73e et dernier gouverneur de la Réunion. Et à l'heure où il prend ses fonctions, il hérite en effet d'une situation économique angoissante. Et c'est le Léopard qui emmène Pierre Aubert et Jean-Jacques Pillet à Maurice qui va un peu améliorer l'ordinaire. Dans les jours qui ont suivi, une légère amélioration, parce que le Léopard est allé faire une rotation alimentaire sur l'île Maurice, et il a ramené de Maurice quelques produits
de première nécessité, ainsi que du tissu. Et 50 000 mètres de tissu qui ont été partagés, et des sardines et du riz. Et donc, dans les jours qui ont suivi, il y a eu une légère amélioration, mais un palliatif seulement, hein, qui n'a pas été durable. Alors, pourquoi? Parce que Madagascar avait été libéré, Maurice était donc anglaise, bien entendu. Les bateaux, d'éventuels bateaux, pouvaient donc circuler. Ben justement, le problème est là, c'est que la guerre continuait. Les bateaux étaient toujours réquisitionnés et il y avait toujours aussi peu de bateaux affectés à la Réunion. Hein. Donc la pénurie a continué, hein, après Capagory comme avant Capagory. Hein. Le retour du riz, après des mois de maïs ou de manioc, vaudra au gouverneur son surnom, Papa de riz. Mais ce ne sera qu'un feu de paille dans des boutiques désespérément vides où le précieux riz n'arrive que par intermittence. Vraiment par intermittence. Et en bénéficiant cette fois-ci, et c'est arrivé par exemple en 43, milieu de l'année 43, en bénéficiant de détournements de bateaux au profit de la Réunion. J'ai retrouvé par exemple aux archives départementales un télégramme, câblogramme, adressé au gouverneur Capagory, venant de la marine marchande de Londres, et lui signalant le détournement sur la Réunion d'une cargaison de riz prévue à l'origine, je crois, pour l'Afrique du Sud. Hein. Et il demandait simplement au gouverneur de prévoir la monnaie. Hein. Le télégramme se termine comme ceci. Hein. N'oubliez pas, essayez de faire le maximum pour régler dans les 6 jours. Là, hein. André Capagory maintiendra le plan de culture vivrière lancé par son prédécesseur et la Réunion arrivera à peu près à se nourrir. Mais il n'y a toujours plus de farine, plus de médicaments et surtout plus de tissus. Moi-même, j'ai porté de la rabanne. C'était pas joli, ça prenait toutes les formes, mais enfin on était dans quelque chose. Ça se froissait beaucoup. Oui. Oh là là. Alors justement, au moment où le rationnement du tissu est arrivé, nos fournisseurs habituels qui nous connaissaient bien, les commerçants, ils nous disaient « Monsieur Boyer, prenez tant que vous voulez, vous nous paierez quand vous voudrez. » On se disait « On ne va pas stocker tout ça, qu'est-ce qu'on va en faire ?» On venait de se marier. On avait une garde-robe quand même encore à peu près convenable, on s'est dit, on a le temps. On ne savait pas que les choses allaient durer aussi longtemps, et je me suis mis à mettre des pièces sur mes pantalons pour aller à l'école. Je me suis trouvé un beau jour presque sans chaussures. On taillait ce qu'on pouvait dans des morceaux de pneus, et on se faisait faire des petites mules avec les feuilles de palmier, là, qu'on appelle des ramponnes chez nous. On enveloppait ça de tissu, de carton, etc. Ça ne durait pas longtemps, mais enfin, ça protégeait un peu les pieds. Et puis, moi-même qui ai été mobilisé, j'ai pu sauver mes godasses à clous, qui m'ont permis d'aller à l'école pendant assez longtemps. Il a fallu que j'attende 1 ou 2 ans au moins avant que je puisse acheter une paire de chaussures. Mais tout était comme ça, il n'y avait plus rien. Il y a eu même des bagarres dans les queues, quelquefois. Pour des raisons qu'on n'explique pas toujours, mais vous savez, les gens, ils ont l'œil, ils croient qu'on a fait une préférence à quelqu'un, une faveur, etc. Et souvent, ce n'était pas vrai. Alors, il y a une rumeur qui circule, c'est l'agitation, et il y a eu même un gendarme blessé une fois. Le 27 octobre 1943, la vente des tissus est à son tour placée sous le régime de la carte de rationnement. Au mois d'octobre, par exemple, avec la lettre D, on peut obtenir 3 mètres de drill, et avec la lettre T, 3 mètres de toile blanche. Mais la délivrance des tickets de rationnement ne permet pas toujours de se procurer la marchandise souhaitée. Et les journaux locaux, réduits d'ailleurs à une taille minuscule suite à la pénurie de papier, tempêtent contre le marché noir. Quelques rares bateaux relient tout de même de temps en temps la Réunion à Madagascar et à l'Afrique du Sud. Et la célèbre épicerie dionysienne Chanpo peut ainsi proposer de temps en temps un arrivage de bonnes bouteilles. La plupart des foyers réunionnais préféreraient, bien sûr, avoir du riz ou de la viande, mais il n'y a dans les boutiques rien, vraiment plus rien. Les médicaments, on ne les trouvait plus. Il y a eu même des accidents avec des vieux médicaments qui restaient au fond des tiroirs et que les voisins se passaient comme ça dans des cas graves. Je me souviens même d'une petite cousine à qui on avait fait une piqûre de quinoforme cédée par quelqu'un et qui a attrapé le tétanos. Comme ça. Et piqûre qui a été faite par un médecin, par-dessus le marché. Voyez-vous ? Des choses comme ça, des drames comme ça que l'on ne voyait pas tellement, mais qui se passaient bien dans les familles. On s'empruntait des vêtements pour ceux qui en avaient encore un,
dans les Hauts en particulier, pour aller en ville faire les commissions des autres. Ça se passait comme ça dans les Hauts assez souvent. Il n'y a également, bien sûr, plus d'essence dans la colonie, ou si peu, 18 litres par mois et par voiture. Ce qui déclenche la colère de l'hebdomadaire de l'évêché Dieu et Patrie, qui se demande publiquement où peut bien passer le carburant disponible. Le pétrole d'éclairage est lui aussi rationné, 1,50 litre par mois et par foyer. Début 1944, on tente de lancer un nouveau carburant, 50% essence, 50% alcool de canne. C'était l'huile de ricin, l'alcool, très peu d'essence, beaucoup d'alcool à brûler, etc. Ça marchait. Bon, il y avait des pannes assez souvent, mais enfin... On appelait ça le carburant national. Voilà. C'est vous dire que l'industrie naît de la nécessité, ça c'est sûr, n'est-ce pas ? On devient inventif. On mettait du sucre également pour construire les maisons. Je crois que la salle paroissiale de Saint-Joseph, qui a été construite par le père Le Chevalier, qui vient des Soirettes, je suis arrivé en même temps que lui à Saint-Joseph d'ailleurs, on était très amis. Le père Le Chevalier, je crois qu'il a fait construire sa salle paroissiale avec de la chaux mélangée à du sucre. Et ça tient toujours. Ça tient toujours. L'actuelle résidence balnéaire des préfets, la Villa Bourbon, a été ainsi construite à cette époque avec un mortier de chaux et de sucre. Et puis, il fallait aussi faire rouler le train. On essaya les locotracteurs, sorte de camions transformés en Micheline et roulant avec un mélange d'huile de ricin et d'alcool. On remit également en service les vieilles locomotives. Puis, le charbon de terre ayant manqué, ce fut le fil à eau. Alors là, c'était marrant, parce que le train mettait régulièrement le feu à tout ce qu'il y avait autour des rails, le long du chemin, du trajet. Et quelquefois, surtout dans le tunnel, lorsque les escarabilles rentraient par les volets, et on recevait ça sur nous. Mais on ne les voyait pas toujours. Il y en a qui flambaient, mais d'autres pas. Mais quand on arrivait à Saint-Denis ou qu'on sortait du tunnel, de l'autre côté, on s'apercevait qu'on avait des petits trous partout dans les vêtements. Mais on s'amusait quand même, on rigolait, il y avait des gens qui étaient rigolos, qui trouvaient toujours le mot pour rire, etc., dans toutes ces situations. Non, mais vous savez, ce sont des souvenirs qui devraient être pénibles, et finalement, ça ne nous a pas tellement marqué parce qu'il y avait un climat, une mentalité à l'époque qui faisait que tout le monde s'appréciait, tout le monde se connaissait bien. On ne cherchait pas, il n'y avait pas tellement de conflits entre nous, non. Sur le plan politique, en tout cas, la transition entre le régime de Vichy et les institutions de la France combattante se fera en douceur, grâce notamment aux qualités diplomatiques certaines du nouveau gouverneur et à l'adaptabilité des Réunionnais qui applaudirent De Gaulle, comme ils avaient applaudi Pétain. Début 1943, le gouverneur Capagory remplace les conseils municipaux nommés par Aubert par des conseils de notables. À Saint-Denis, il propose à Armand Barrault de rester en place, mais ce dernier préfère démissionner et est remplacé par Roger de Villecourt. Au port, le coup d'éclat de Léon de Lepervenche le jour du débarquement restera sans suite, et c'est le docteur Ismaël Hassen qui est placé à la tête de la municipalité. À Saint-Paul, Louis Lépinay retrouve son fauteuil avant d'être remplacé par le docteur Lenormand en 1943. À Sainte-Marie, Vincent Boyer de la Giraudais conservera son poste de premier magistrat jusqu'au jour de sa mort, le 17 janvier 1944. Ailleurs, de nouveaux noms font leur apparition sur la scène politique. Georges Repiquet à Sainte-Suzanne, Henri Bègue et Joseph Perrette-Forcade à Saint-Leu, Adrien Cadet aux Avirons, Carl Delaverne à la Petite-Île, Gaston Crochet à la Plaine des Palmistes ou le docteur Guy Warreau à Saint-Joseph. Le tout dans le calme, puisqu'il n'y aura pratiquement pas d'épuration à La Réunion. Il y a quand même eu une cinquantaine de personnes détenues et après le débarquement du Léopard, qui ont été détenues pendant quelques jours et ensuite mises en résidence surveillée. Elles sont restées en résidence surveillée pendant 2 semaines environ et l'affaire se termine en queue de poisson. Et chaque matin, ces gens-là étaient contrôlés par la gendarmerie. Il y avait un gendarme qui venait vérifier si elles étaient bien au domicile. Et puis un beau jour, elles ont constaté que le gendarme ne venait plus. En septembre 1944, 3 personnalités réunionnaises, Riol Dupuis, Gabriel Massé et René Payette, se retrouveront tout de même au palais de justice. Mais les 3 hommes seront relaxés. Au grand dam du nouveau journal du docteur Vergès, témoignage, qui avait mené campagne contre les ex-pétainistes.
La Réunion a, il est vrai, d'autres chats à fouetter, puisqu'un violent cyclone l'a frappé le 10 avril 1944, faisant 13 morts et plus de 5000 sans-abri. La colonie, déjà exsangue, n'avait vraiment pas besoin de cette nouvelle catastrophe. Même si elle reste toujours aussi vaillante et généreuse lorsqu'il s'agit d'aller aider ceux qui se battent. C'est ainsi que de nombreuses jeunes réunionnaises s'engageront dans le corps des volontaires féminines et iront servir à Madagascar, d'où certaines d'entre elles ne reviendront d'ailleurs pas solitaires. La Réunion, les années de guerre, qui voient encore la disparition, en juin 1943, de la jeune poétesse Anne-Marie de Godin de Lagrange. La mort à Paris la même année du fondateur de la Revue Agricole et poète, lui aussi, Auguste de Villèle. Le décès, en janvier 1944, sur la table d'opération du directeur de la Banque de la Réunion, Henri Poulet. La Réunion, enfin, qui accueille en décembre 1943 le commissaire aux colonies du gouvernement d'Alger, M. René Pleven, quelques mois avant le débarquement du 6 juin 1944 sur les plages de Normandie et la libération de Paris. Mais pour la France, comme pour sa petite colonie, le temps des privations durera encore longtemps. 1945. La France est libérée, mais la guerre continue en Europe et dans l'océan Pacifique. La Réunion, quant à elle, n'aura pas vu l'ombre de la couleur d'un casque de soldat allemand ou japonais, mais la suppression presque totale des relations entre la petite colonie et sa mère patrie ne l'a pas épargnée. Les équipements publics, comme cette route nationale, sont, au sortir de la guerre, dans un triste état, après 4 années de dures privations, de pièces de rechange introuvables, de système D. À l'heure de la libération de Paris, la ration de corps gras est encore de 100 petits grammes par personne et par mois. On allait à l'école avec une feuille de chouchou et puis un morceau de manioc, des patates bouillies dedans, ou bien quelques bananes bouillies, et c'est tout. Hein. Et on revenait chez soi à manger à midi, et on n'avait pas la cantine gratuite. Et donc, il est difficile à un jeune de se faire une idée de la situation de laquelle se trouvait la Réunion avant 1945, avant 1946, c'est-à-dire après la guerre. Et à la guerre, bien, la France, la Réunion était sortie épuisée, parce qu'on avait vraiment tout épuisé, les forêts, épuisé tous les bois qu'on avait, tout ce qu'on avait. Les gens avaient mettaient à ce moment-là des linges de rabanne. On se servait de tous les corps de bois pour faire du savon. Non, mais c'était la misère la plus grande, la plus noire. Cependant, on avait tout de même cette chance de n'avoir pas été touché par la guerre. On est touché par la guerre que par la famine, par la pénurie. Je veux dire, on a ressenti la guerre par la pénurie. Mais on n'a pas ressenti la guerre au point de vue bombardement, et tout cela, on n'a pas connu, quoi. Les seuls bombardements que la Réunion aura connus viendront des éléments déchaînés, puisque un an après le cyclone du 10 avril 1944, un nouvel ouragan frappe la colonie les 6 et 7 avril 1945. C'est presque le coup de grâce pour cette île exsangue, à l'économie presque totalement ruinée. Le cyclone de 1945 fera 13 morts et détruira en de nombreux endroits des voies de communication déjà très médiocres. Les journaux locaux ne peuvent que se plaindre amèrement de l'état lamentable du réseau routier, y compris au cœur même de Saint-Denis. Quant à la récolte de canne, elle a été détruite à 50% par le cyclone, une catastrophe qui s'ajoute aux dégâts des années noires où l'on avait arraché les cannes pour planter du maïs et du manioc. À cette situation économique critique s'ajoutent également des conditions sanitaires pour le moins dramatiques. Le paludisme a fait des ravages terribles à la Réunion. Moi-même, j'en ai eu. J'ai des frères et sœurs qui n'ont pas pu aller à l'école au-delà de la troisième parce qu'ils étaient obligés de quitter le littoral à cause du paludisme. Alors, il y avait le paludisme, mais il y avait toutes sortes de maladies qui pouvaient intervenir à n'importe quel moment. Il n'y avait pas de médicaments. Les médecins, oui, même à Saint-Joseph où j'étais, il n'y avait pas de médecin. C'était le médecin de Saint-Pierre qui montait à Saint-Joseph, comme on dit, de temps en temps, qui venait un ou deux jours par semaine faire des consultations. Il n'y avait pas de dentiste, rien du tout. Et lorsqu'il n'y a pas de médecin ou pas de médicaments, les familles pauvres et nombreuses s'adressent aux tisaneurs du quartier. Certains d'entre eux, comme Botard à Saint-Paul, acquièrent ainsi une grande renommée. On peut également avoir recours aux quelques pharmaciens de la place, d'ailleurs un peu tisaneurs, eux aussi. C'était le médecin du pauvre. Parce que
il donnait, c'était le premier conseil, c'est celui qu'on allait voir le plus facilement, parce qu'il ne prenait pas d'honoraire de visite ou de consultation, et il donnait un médicament qui en général n'était pas très cher, et surtout ici. Et une personnalité assez extraordinaire qui existait ici, c'était Max Waro. Je pense que son nom est encore très connu à La Réunion. Et c'était vraiment le pharmacien du pauvre qui savait bien conseiller et qui avait... Bon, vous me parlez de ses spécialités. Lui, il en avait une particulière, un particulier qui était pour contre la bourbouille. Ça réussissait parfaitement. Eh bien, quand il est mort, je ne sais pas si... Il a dû donner sa formule, mais on n'y pense plus. Vous savez, il y a des modes. Hein. Maintenant, les gens n'ont plus besoin d'aller chez le pharmacien, puisqu'ils vont chez le médecin, ils sont remboursés. Ils ne payent pas. Bon. Tandis qu'avant, il fallait quand même payer les quelques dizaines de francs CFA, ou, bon, pas beaucoup plus, pour avoir un bon conseil de vieux pharmacien. 3 avril 1945. Le monde politique réunionnais accompagne à sa dernière demeure l'une des personnalités les plus marquantes de l'entre-deux-guerres, l'ancien président du Conseil général Adrien Lagourgue, qui meurt, symbole d'une époque, quelques semaines avant les premières élections municipales de l'après-guerre. Des élections municipales, les premières depuis 10 ans, qui verront le succès d'un comité républicain d'action démocratique et sociale, ou CRADS, monté de toutes pièces pour la circonstance par le docteur Raymond Vergès. Dans ce comité, des hommes de gauche, bien sûr, mais aussi d'autres personnalités, tel le docteur Roger Cerveau. Quand Vergès a monté ici son opération CRADS, ben combien d'entre nous n'étaient pas là-dedans? J'aurais été communiste. Le Picot en question, Edwards, moi-même, il y a un tas de gens comme ça, madré. Hein? Pourquoi d'ailleurs? Parce que c'était un renouvellement? C'est un moment, disons de gauche, si vous voulez, au sens où on entend. Moins progressiste, vous voyez, qui ne nous avait plus. Nous sentions la stagnation que nous avions connue sous Pétain, ben, on était contents de faire quelque chose. Quoi. À ces élections du 27 mai, qui se déroulent dans le calme, le CRADS va remporter 12 communes sur 23, avec des hommes comme Jean Inglot, chef de service des échanges commerciaux et du ravitaillement à Sainte-Marie, ou Mario Waro à Saint-Leu, Léon de Lepervenche au Port, Fernand Collardeau à Saint-Pierre, ou Hippolyte Piot à Saint-Louis. C'est toute une nouvelle génération qui se met en place, avec Franz Barret à Saint-Philippe, Adrien Cadet aux Avirons, ou Georges Repiquet à Sainte-Suzanne. Certains vieux routiers de la politique locale sauveront tout de même leur tête, tels Octave, dit Tatave Bénard à l'Étang Salé, Georges Ratineau, maire depuis 1919 à La Possession, ou Hervé Payette à Trois-Bassins. Mais la tendance est indiscutablement au renouvellement. Raymond Vergès, quant à lui, est tête de liste dans 3 communes à la fois. Élu dans les 3 cas, il choisit Saint-Denis, Hervé Grondin devient maire de Saint-André et Evenor Lucas est élu maire de Saint-Paul. La campagne, nous l'avons dit, se déroule dans le calme, grâce à la fermeté du gouverneur Capagori. Mais les tracts électoraux, eux, restent très virulents. Électeurs, électrices, les élections municipales auront lieu le 27 mai prochain. Le peuple français, lors des élections communales, vient d'écraser la réaction capitaliste. Vous agirez comme lui en votant le 27 mai prochain pour la vraie démocratie, contre le capitalisme et la trahison pour la 4e République française, tous aux urnes le 27 et votés pour les listes Vergès. C'est le texte. C'est le texte intégral signé Maxime Thomas. Bien. Et c'était un langage assez dur finalement. Ah c'était... la langue de bois classique de l'époque quand même. Conseiller municipal le mieux élu de Sainte-Rose, sur la liste de Norbert Lebon, soutenu par le puissant maire de Saint-Benoît, Alexis de Villeneuve, le jeune futur deuxième adjoint Alix Selma se souvient de cette époque un peu folle. N'oubliez pas qu'en France aussi, à ce moment-là, vous savez, la Réunion est légitimiste. Hein? Quand il y a un gouvernement de gauche, en France, les gens votent à gauche. Il y a un gouvernement de droite ici, en France, et bien ici, les gens votent à droite. Hein? C'est comme ça. Et n'oubliez pas qu'on se retire de la guerre pour faire oublier le passé de Thorez, les communistes avaient s'étaient appropriés d'être le parti des fusillés. Hein? Ils prônaient partout, nous étions le parti de 25 000 fusillés,
75 000 fusillés, à ce moment-là, je crois que même en France métropolitaine, beaucoup de communes, beaucoup de départements, beaucoup de députés, ils étaient la majorité, socialistes et communistes étaient la majorité à l'Assemblée nationale. Donc automatiquement, ici, les gens s'est dit à la sortie de la guerre, il faut voter pour ces gens-là. Et puis, on ne savait pas encore bien ce que c'était que le communisme. On l'a appris après. Mais on ne savait pas exactement ce que c'était que le communisme. Dans notre foyer intérieur, on disait le communisme, c'est peut-être un partage un peu plus équitable, un peu plus juste. Donc, essayons peut-être d'aller vers ce parti. Enfin, pas ce parti, mais le Parti Socialiste, si vous voulez bien, un parti beaucoup plus équitable, beaucoup plus juste. Ce n'est pas exactement le communisme, hein, ce n'est pas tout à fait le communisme. Parce que le CRAD ne contenait pas seulement des communistes, ils avaient un peu de tous les partis. Aux élections législatives du 21 octobre, on retrouve quand même le classique affrontement droite-gauche, dont sortiront vainqueurs Léon de Lepervenche et Raymond Vergès, qui s'inscrit à l'Assemblée au groupe communiste, aux grandes dames de la bonne société locale et au grand étonnement de son colistier. Lepervenche m'a dit, c'est à vous, vous ne pouvez pas vous imaginer la surprise que j'ai eue à propos de Raymond Vergès. Bien, pourquoi ? Tout le temps que j'étais à la Réunion, vous savez bien, on était dans la région, vous saviez bien que c'est moi qui faisais du barouf au nom du communisme. J'ai passé mon temps à demander au parti, au bureau, à Paris, de vouloir bien me reconnaître en activité, de me nommer représentant. À chaque fois, on me disait, nous avons déjà quelqu'un. Et c'est lorsque nous avons pris l'avion, dans l'avion, qui nous conduisait à Paris en tant que député, je sais quoi, que là, j'ai su que Vergès était le président du communisme. C'est ce qu'on m'a dit. Alors, grand choc de Martin et compagnie, ils étaient très bien. Mais de ce jour-là, c'était fini. De Lepervenche, c'était quel genre d'homme? C'était un homme sincère? Ah, très sincère. Très, très sincère. Moi, je l'aimais bien. Il avait ses idées, il défendait. Mais il était sincère. Honnête. Le CRADS l'emportera également aux élections cantonales du 7 octobre et l'adjoint de Raymond Vergès à Saint-Denis, maître Paul Picot, sera le premier président du Conseil général de l'après-guerre. Car la guerre se termine ce 8 mai 1945 dans un Saint-Denis en liesse où le gouverneur Capagori préside les solennelles cérémonies de la victoire. Trois mois plus tard, en août, les deux premières bombes atomiques de l'histoire écrasent les dernières résistances japonaises. La Deuxième Guerre mondiale s'achève. 1945, à La Réunion, ce sera aussi l'introduction d'une nouvelle monnaie, le franc des colonies françaises d'Afrique, ou CFA, qui restera en vigueur pendant 30 ans. Alors que La Réunion, la vieille colonie, comme ses sœurs des Antilles ou de l'Amérique du Sud, va bientôt connaître un profond bouleversement statutaire, sinon économique. On en parlait d'ailleurs depuis longtemps, témoin cet article de 1937 du journal Le Progrès. Trois siècles de colonisation vont bientôt s'achever.